Welcome to... Londres, 1886. La révolution industrielle bat son plein. Mais des rebelles et des dégénérés sèment le trouble dans nos rues. C'est mon devoir de les en empêcher. Mais ma tâche s'est complexifiée lorsque le fléau Lycan a commencé à gangréner le cœur même de la ville. Mon nom est Galahad, et je suis chevalier de l'ordre chargé d'éradiquer ces fléaux d'Angleterre. Je suis déjà un homme mort. Galahad ! Ah mon Dieu ! Chapitre 13. Entre la vie et la mort. Doucement, mon ami. Bonsoir. C'est vrai ? T'es ça ? Oh fuck. Putain, c'est un assassin lui. Survivra-t-il? Cette décision lui appartient. Ok. Là, tenez. Oh, il est chopé ça où lui? Buvez. Deux jours. Ça fait déjà deux jours. On peut pas le laisser comme ça. J'ai fait ce que je pouvais. Ce n'est plus à moi de le protéger. Je lui rendrai visite s'il survit à cette épreuve. What? Allez. Allez. Il faut rester avec nous. Messire Galahad ! Messire Galahad ! Ici, Dame Lakshmi. Vous avez bien fait de m'amener ici. Je ne vois pas quoi faire d'autre. Toute la ville est à sa recherche. En effet. Nous nous occuperons de lui. Il gère Tesla. Nous devons laisser faire le temps. Faites pas n'importe quoi! Je n'ai pas le choix! Si je pars trop longtemps, ils vont me suspecter! Et si c'est déjà le cas? Vous en avez fait assez! Laissez-nous prendre les choses en main! Il me reste encore tant de choses à faire, Dame Lakshmi. Pitié! Prenez soin de lui. J'ai peur que sans son aide, nous n'ayons aucune chance. Voilà, Galahad ! On s'en vient au moment, là. Putain, il a pris cher, hein. Eh bien, vous êtes plutôt du genre coriace. Suis-je? Vous êtes dans une cache, sur les quais. Vous oscillez entre conscience et inconscience depuis 15 jours. What? Venez, nous devons vite retourner à Whitechapel. Les autorités vous cherchent partout. Comment m'avez-vous trouvé? Grâce à Nicolas. Il vous a amené ici et a requis mon aide. Nicolas, comment le connaissez-vous? Je le laisserai expliquer son implication dans cette histoire.
Nicolas a laissé ça. Il pensait que cela vous plairait. Il m'a laissé des gueules. Oh, il se gueule. Oui, c'était des trucs de révolutionnaire. Tu vas même laisser un élixir, quoi. J'ai trop Venez. Le swag. On y va. Oh, il est tellement plus classe comme ça. L'eau noire, comment l'avez-vous trouvée? Il m'a été confié. Vous voulez dire que c'était un chevalier? Messire Bors du Ganis. Messire Bors a disparu depuis la quête du Graal. Il est donc toujours vivant, en Inde orientale? Je n'ai pas dit qu'il était encore en vie. What? Ok. Une patrouille de la compagnie. C'est justement ce que je criais. Bon, on va les éclater, t'inquiète pas. D'accord, donc on peut même pas faire cette attaque en quoi. Garde neutralisée. Quoi? Ils sont nuls, hein. C'est bon. Les renforts sont en route. Tout à fait d'accord. Soyons prêts. Bon. Pas des autres guns, là. Je recherche. Ah, fuck. Wouhou. De la compagnie à terre! Tain, on les éclate les types. Ils voient rien du tout. Ok, cool. Y'a pas des vraies armes là par contre? Merde. Cible à terre! C'est les derniers. On ferait mieux de partir avant qu'il n'en arrive d'autres. Je vous suis. Ça marche. Whitechapel est par là. Ah, t'arrives trop tard. C'est pas dégueu. Migraine. Tout semble indiquer que plusieurs personnes sont passées ici. Messire Galahad a dû être aidé. Informez le conseil que nous avons le malfrat. Putain, elle a pété un pont, hein. Ordonnez à tout chevalier de se diriger vers Whitechapel. Oui, madame. T'en respire, copine. Que Dieu m'en soit témoin. Je mettrai un terme à cette rébellion. Tout le monde, partez! Vite! Nous devons fuir. Les autorités vont prendre d'assaut Whitechapel d'un instant à l'autre, et arrêter tous ceux qu'ils trouveront. Prenez ce que vous pouvez et filez.
Il me reste une chose à faire au palais. Avez-vous perdu la tête? Vous devez absolument éviter le palais. Je vais mettre Nicolas en lieu sûr. Je lui dois bien ça. Alastair vous connaît. Il attend votre venue. Je sais. Sacré Hugues. Non. C'est un combat que je dois mener seul. Et si j'en sors vivant, je vous retrouverai. Qu'il en soit ainsi. Vous l'ignorez, je ne suis plus chevalier. Ok. On va dérouiller du monde, là, je sens. Vous êtes chevalier, monsieur. Mais êtes-vous un renégat ou un patriote? Ce bon vieux français! Que suis-je à tes yeux, marquis? Je pense que vous avez vos raisons. Après deux révolutions, je sais que les deux camps sont tout aussi dangereux. Je ne l'oublierai pas, marquis. Je l'espère bien, monsieur. Mais si vous menacez la liberté, Lafayette comptera parmi vos plus fermes opposants. Adieu, monsieur. À la prochaine fois. Oui. À bientôt, mon cher. Adieu. À la prochaine fois. T'as été trop cool, marquis. Chapitre 15. Putain, elle est tellement trop classe, cette tenue. Bon, allons globalement éradiquer... Vous partez déjà ? ...tout ce qui n'est pas humain. Davy. Vous vous souvenez donc de mon nom ? Je vous dois des explications. Tal me drague. J'ai dû vous faire confiance. Nous n'avons pas le temps pour les civilités. Vous avez l'air de chercher à vous faire tuer. Je dois régler ça. À tout prix. Bon, tenez. Oh, et revenez en un seul morceau. Ma reine semble vous apprécier particulièrement. Ça va, calmez-vous, hein. C'est la barbe, je pense. Et la bonne grosse moustache. C'est toujours un drôle d'effet aux jeunes demoiselles de 1886. Ok. Bon, bah allons nous amuser à nouveau dans les tunnels. Entre de l'hybride ou du lycan, ou de l'ancien ou du vampire. Ça m'est égal. Tous les éclatés, de toute façon. Ok. Salut, salut! Nicolas, répondez! Je suis dans les catacombes, je vous rejoins! Messire Galahad, avez-vous perdu la tête? Ouais. Ne venez pas par ici! Ne bougez pas, j'arrive bientôt! Ok. Bon sang. J'aurais mon vu. Tant pis pour la discrétion. Ok. Putain, il a trop le swag, Galahad. Ah putain, mais je crois que c'est là où j'étais retenu au début. Et il y a un loup-garou là-dedans, je crois. Ok, j'y vais. Ouh. Allez, salaud. Ok, c'est la merde, tu peux le dire, mon gars. Reste tranquille avec ta grenade, toi. Haha, énorme. Ouh. Oh fuck. Putain, mais prenez vos balles, je sais que moi je les prends pas, mais vous avez le droit de les prendre quand même. Eh ben, ça devient vraiment chaud. Ouais. Ouais. Bon, on avisera. Non. Ouais, par contre, une petite grenade. Voilà, c'est pas de refus.
Messire Galahad, nous allons peut-être avoir un problème. Messire Lucan va bientôt arriver. Nicolas, oh, vous devez partir d'ici, vite! N'ayez crainte, mon ami. Je laisserai la communication ouverte de mon côté. Tout va bien se passer. Ne faites pas n'importe quoi, Nicolas! Lol. C'est pas vrai. Gimme that. Et voilà. Oh, faut que j'aille par où. Ok. C'est bien moi. Oh fuck. Voilà. Il a l'air d'avoir bien du monde là, dites-moi. C'est quoi ici, c'est le catacombe ou quoi? Ok. Oh, c'est quoi ça? Oh oui, un gun Tesla. T'as des armes partout là, c'est génial. Bon, je sais pas si le fusil Tesla c'est la meilleure option. Mais c'est pas grave. Par contre, si je pouvais prendre les grenades. Oui, merci. Allez, c'est parti. Salut! Oh oui, c'est génial. Ah, j'adore cette arme. Oh, ça les démembre et tout, c'est gore. Merde, raté. Ah non, je l'ai eu. Oh. Ah, c'est énorme. Oh oh. Oh putain. Ok, j'ai vu un gun qui m'intéressait par là-bas. Oh fuck. Merde. Ok, nice. Fais-moi ton gros canon, toi. Voilà. Ça, c'est nice. Y'a quoi là-dedans? Y'a rien. Désolé de quoi, mec. Mais en fait, je reviens de là où je suis venu, quoi. Ah oui, ça, ça va pas dû être... Merde. Oh là là, cette violence. Oh oh. Il est où? Ouh. Genre il a rien pris. Ok, je l'ai eu. Easy. Il me reste des balles? Ouais, ça va. C'est pas mal. Oh merde. Que puis-je faire pour vous, messire Lucan? Suivez-moi. J'aimerais vous parler de certaines choses. Viens, messire. J'arrive, Nicolas. Oh, fuck. Y'a quoi ici? Allez, on y va. Ok. Merde.
Nice. Oh merde. Oh merde. Nicolas, qu'y a-t-il ? Dame Lakshmi avait raison. Il savait. Je vous sors de là. Oh. Oh. Allez. Il est toujours là. Sérieusement ? Ah. C'est trop tard. On peut plus rien faire. Il me reste encore une chose à faire. Lui péter les dents. Chapitre 16. Je sens qu'on approche du grand final, les amis. C'est quoi cette arme? Oh! Oh, what the fuck? Alastair! Je savais que tu reviendrais, mon frère. Sors de l'ombre, vermine! Toi et moi, nous ne sommes pas si différents. Je fais le nécessaire pour protéger les miens. Nous luttons seulement pour pouvoir survivre. C'est un mensonge ! Tu n'as pas tort. Un jour, peut-être, tu comprendras. Oh merde ! Oh ! Pardonne-moi, Grayson. J'aurais voulu une autre issue. Moi, je vais utiliser le gros flingue. Mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu. C'est QTE de l'enfer. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh la vache. Ouh. Oh il est gros. Oh. C'est quoi ça? C'est un ancien ça, non? Oh merde. Ok. Ouais, c'est un ancien ça. Ou un hybride de quelque chose. Ok. C'est trop noob, mec. Ok, quand même. Allez. Je t'éclate. C'est trop pourri. Oh fuck. Ouf. Oh mon dieu. Ouf. Ok. Tiens. Eh merde. Et là pour effectuer une série d'attaques énorme. Putain c'est bien ça. Oh, je me devine tellement. Oh là. Ah. Lâche-moi. Ouais, dans ta tronche, tiens. Oh. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh. Oh. Oh là là. Come on. Oh. Salaud. Tiens. Non, vous vous trompez. Oh. Ok. Tiens. Non, vous vous trompez. Oh. Je prends cher là. Oh, oh la vache. Oh. Oh mon dieu. Ok. Ah. Comment ça prend cher là hein. Moi aussi. Oh non. Vas-y mon gars. Vas-y. Allez. Dépêche. Oh. Oh.
J'ai vécu trop longtemps pour ignorer que ce jour viendrait. Pourquoi, Laster ? Tu t'es battu des années à nos côtés. J'ai vu des choses que je suis condamné à ne pas oublier. Des civilisations nées et détruites par la cupidité de l'humanité. Des hommes pleins d'orgueil, massacrant leurs frères au nom de prétendus dieux. Nous nous rachèterons le moment venu. Mais comment peux-tu justifier les atrocités commises par les tiens ? Les miens ? Les miens ne sont pas pires que les tiens. Mais... et ta sœur ? Et ton père ? C'était des mensonges ! Izzy, mon père... je les ai aimés plus que tout ! Jamais ne pourront comprendre la malédiction que j'ai endurée. Mon fils... c'est à moi d'implorer ton pardon. Je n'ai jamais voulu cette vie pour toi. Vous saviez ? J'ai toujours su. Je l'ai recueilli après le massacre de sa famille. Ton père a succombé à mon épée. Mais un enfant ? Tu ne méritais pas un tel sort. Comment aurais-je pu prendre la vie d'un innocent ? Faites part de ces informations au Conseil. C'est le seul moyen de réparer les ravages qui ont été causés. Impossible ! Cette révélation déstabiliserait l'ordre de manière irréversible. Je dois être sacrifié. Combien devront encore mourir pour maintenir cette loi du silence ? C'est mon fils. Je ne peux être celui qui lui donne la mort. Putain. Isabeau et le Conseil ne doivent jamais savoir la vérité. Ou ceux qui vous sont chers périront. Ne me demandez pas ça. À présent, vous devez vous éloigner des autres chevaliers. L'ordre doit rester uni. Oh putain. Vous n'êtes plus l'un de ces héros. Finissez votre travail et partez. Les hommes n'étaient pas censés vivre cette vie. Un jour viendra où tous nos tourments prendront fin, mon frère. Oh my god. Oh là là. Oh là là les amis. Oh. Putain. Oh c'était vraiment énorme. Je sais pas ce que vous avez pensé les amis. N'hésitez pas à me dire tout de suite vos réactions à chaud dans les commentaires. Mais... c'était vraiment énorme. Ouais, donc du coup j'avais entendu dire, enfin du coup j'ai lu un peu les critiques forcément, sans essayer de me spoil, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reprochaient à ce jeu de d'être beaucoup trop court, et c'est vrai qu'il est assez court je pense, puisque là à mon avis, il va faire peut-être 10 épisodes de let's play, peut-être moins, il est vraiment très court, même trop court parce qu'il coûte quand même 70€, mais...
quand même vachement bien, quoi. Je sais pas trop quoi en penser. Mais c'est vrai que c'était bien. Moi, j'avais un peu peur du risque de... Ben, du fait de dire, voilà, on va faire quelque chose de super cinématographique. Les cinématiques, elles vont être très présentes. Le gameplay va être aussi présent que les cinématiques. Du coup, il y a très peu de gameplay, hein, au final. Enfin, très peu. Il y en a moins que dans un Uncharted ou un Last of Us, hein, parce qu'il y a beaucoup de cinématiques, vous l'avez vu, beaucoup de QTE. Même si les QTE, franchement... Je suis pas trop fan, et là je trouve que ça passait bien, c'était assez bien géré. Même si sur le combat final c'était un peu répétitif, mais ça va. Mais franchement, ils ont réussi à vraiment varier l'histoire. Les scènes de combat étaient pas toujours les mêmes, même si la mécanique du jeu elle est pas super originale, surtout la mécanique des armes qui est assez innovante. Mais après, le reste c'est assez vu et revu. Mais n'empêche que malgré ça, ils ont réussi à faire quelque chose d'assez différent sur chaque phase de gameplay. Je trouvais ça quand même assez cool. Il y a des lenteurs, notamment quand il fallait fouiller, mais. Sinon, franchement, c'est un super jeu et je pense qu'ils ont réussi dans le fait que ils voulaient amener quelque chose de cinématographique, une bonne histoire. Bah, le jeu d'acteur est très bon, les doubleurs sont bons, parce que du coup, on a joué en VF. Mais je pense que ça redonne en VO. Les plans, les lumières, enfin, c'était vraiment... j'ai l'impression de voir un film, quoi. Et c'est vrai que ce niveau-là, c'est vraiment réussi. Après, la question, c'est de se dire, est-ce que justement, ils sont pas allés un peu trop loin? Est-ce qu'ils ont pas trop donné une trop grande part à l'aspect cinématographique en oubliant que bah, c'est quand même un jeu, quoi? Moi je trouve que ça va, ils sont à la limite. Genre, s'ils avaient mis plus de cinématiques et qu'ils nous avaient vraiment mis encore moins de gameplay, je pense que là, ça aurait été pas moins intéressant. Je pense que c'est... Il y avait juste ce qu'il faut, et je pense que la force du jeu est vraiment dans son histoire, dans son ambiance, dans sa réalisation. Et c'est génial, enfin même là, on sait pas du tout... Enfin, il y a plein de choses qui nous manquent, genre... est-ce que les Lycans, les vampires et les hybrides, ils sont vraiment tous ensemble? Est-ce que les anciens, c'est des Lycans? Enfin, peut-être que vous avez compris, moi je trouve qu'il nous manque beaucoup d'informations. Je pense qu'il y aura une suite, enfin, je sais pas si le jeu va marcher, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit que, ouais, ils avaient pas entendu parler de ce jeu avant que je fasse un let's play dessus, et il suffit de voir que, voilà, il y a pas beaucoup de vues sur le let's play, bah, parce que simplement, il y a que les abonnés qui le regardent, je pense, et il y a très peu de gens qui ne sont pas de la chaîne qui le suivent. Donc, ouais, je pense qu'au niveau communication, ça a pas été top, parce que c'est vrai que, ouais, moi, j'attendais beaucoup, parce que je l'avais vu aux E3, mais en dehors des E3, je n'ai pas trop entendu parler, donc bon... Mais sans doute c'était un super jeu, enfin même les musiques, hein. Là vous les entendez, les musiques elles sont juste géniales, quoi. Franchement, bon jeu, c'est... Ça m'a fait penser à Last of Us, mais du coup en beaucoup plus court, dans un autre univers, et avec... Enfin... Ça va peut-être déplaire à certains, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de fans de Last of Us dans ceux qui regardent, mais... J'ai trouvé que c'était plus axé sur les personnages, ce jeu-là. Genre les personnages étaient plus creusés, ils faisaient peut-être un peu plus réaliste, mais... Enfin, peut-être pas... Peut-être pas, non, c'est un peu pareil, mais... Enfin, je sais pas, je trouvais que les relations étaient beaucoup plus travaillées, les dialogues étaient plus travaillés, c'était... On s'attendait moins à ce qui allait se passer entre les personnages. Enfin, voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce jeu, moi j'ai vraiment kiffé, les amis. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, si vous avez des suppositions sur une suite, ou... Messieurs peut-être... Galahad, oula. L'ombre tout entier vous cherche. Nous devons nous hâter. Messieurs Galahad. Oh, what vous the fuck. Messire Galahad. Oh, c'est pas fini. Calmez-vous, Nicolas. Tout va bien. Vous avez raison, mon ami. Le Conseil a décrété la loi martiale dans toute la ville. Il est impossible de dire quand les autorités décideront de passer à l'offensive. Oh my god. Il est trop tard pour chercher à jouer les héros. Je pense que nous devrions suivre Dame Lakshmi et quitter la ville. Je reviens très vite. Vous ne savez pas, je ne suis plus Galahad. What? Oh my god! Putain, c'est énorme. Ok, bon voilà, on est vraiment à la fin du coup. Ouais, franchement bien. Hein. Franchement, ouais, je le redis, vraiment bien. J'aurais voulu un peu plus de gameplay, mais bon, c'est... Ouais, franchement bien, bonne histoire, bonne musique, super immersion, et voilà, c'est ce qu'on attend d'un jeu finalement, qui nous fasse ressentir des trucs, quoi. Bon là, au même titre qu'un film, mais ouais, ils ont réussi à retransmettre des émotions, un gros intérêt pour une histoire qui est complexe pour une fois, je trouve, dans un jeu vidéo, c'est assez... Enfin, complexe, qui nous donne pas toutes les clés, faut beaucoup essayer de deviner par nous-mêmes. Voilà, j'ai beaucoup aimé mes amis, je sais pas ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour continuer cette discussion. Et sur ce, je vous laisse sur cette bonne musique, et je vous donne rendez-vous, vous le savez, au prochain jour.